Ma mère qui rentrait du travail en rigolant comme une baleine, c'était plutôt rare. Tu vas bien, ma chérie? J'arrête pas de rire depuis que je suis partie du bureau, j'arrête pas d'arrêter. Bah, profites-en parce que tu vas moins rire, là. Oh là là, qu'est-ce que t'es rabat-joie. On a un nouveau stagiaire au bureau. Il est drôle, mais il est trop. Ah ouais? Je vois le genre, je suis sûre que vous faites des jeux ou vous imitez des animaux, non? C'est exactement ça. Puis vous devez utiliser des accessoires rigolos que vous mettez sur vous et tout, hein? Oh, on rit, mais on rit. Ah bah je veux bien te croire, hein. Parce que tu fais marrer tout Internet dans le monde entier. Ton stagiaire t'a filmé en train de faire la poule avec une bassine sur la tête en plein milieu du bureau. Classe. Et puis, je suis la risée du bahut pendant 5 ans. Merci, maman. Alors là, bravo. Mais puisque je vous dis que quelqu'un s'est introduit chez moi, vous êtes la police ou un salon de coiffure? Parfois, il arrivait à ma mère d'en faire un peu trop. On m'a volé une chaîne en or. Oui, monsieur, la chaîne de mon arrière-grand-mère, c'est tout ce qui me reste d'elle. Oui, bah j'attends. Je fais que ça, attends. Il est super bon ton gâteau. Merci, ma chérie. Pour une fois. Allô? Si, je suis toujours là. Mais, bah vous êtes trompé de numéro. Au revoir, monsieur. Toutes, hein, tu me les feras. Toutes. Et toi? Tous les matins, c'était pareil. Ma mère inspectait ma tenue pour aller à l'école. À ce soir. Rien ne pouvait lui échapper. Elle checkait chaque détail. Tu vas pas aller à l'école comme ça, quand même? Mais quoi encore? Rien, mais c'est que... Ne dis rien, je sais, c'est mon bonnet. Eh ben voilà. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a... Mais quoi encore? C'est mes gants, c'est ça? Ben voilà, je les prends. Non, c'est ta jupe. Ah non, alors là, hors de question que je change ma jupe. Attends, c'est toi qui me l'as acheté, fallait y penser avant. Hein. Allez, bonne journée. Mais non, c'est juste pour te dire que... Ta jupe est coincée dans ton collant. Trop tard. Pour ma fête, ma mère voulait absolument essayer un nouveau resto. Bonjour. Bonjour. J'ai réservé pour deux au nom de Marteau. Marteau. Marteau, Marteau. Non, rien. Désolée, je n'ai pas votre nom et en plus nous sommes complets, donc au revoir. Comment ça, au revoir? Vous savez qui je suis? Oui, madame Marteau, vous venez de me le dire. Mais vous n'êtes pas sur la liste. Désolée. Bye. Maman, laisse tomber. Ah non. Non, je laisse pas tomber. Écoutez-moi bien, ma petite dame. J'ai promis à ma fille que pour sa fête, je l'emmenais manger un couscous ici, hein, au Royal Semoule. Alors je peux vous dire que vous allez me trouver une table, hein. Et Fissa. Le Royal Semoule, c'est juste à côté. Ici, c'est la crêperie Josie. Voilà, maman, c'est ce que j'essayais de te dire, hein. Ah oui. Bah, très joli. Eh ben, kenavo, hein. Au revoir. Je m'en fous, je ne parlerai pas. Oui.